Hey hop tout le monde et bienvenue sur du Feed the Turtle en compagnie de moi, Epi. Oh, on voit un dessous de mon fric. Hein? Bonjour, bonjour, bonjour. Hey, voilà. Bon, et vos gueules les vaches. Bon, comment dire, j'ai beaucoup avancé. On va pas dire peu avancé, on va dire beaucoup avancé. Pourquoi? Déjà, ici les arbres, j'ai changé la plantation, voyez-vous, qui me permet justement d'avoir du bois, du vrai bois. Pas le petit rubber de base, voyez-vous. Et non, j'ai vraiment changé ça. Parce que du rubber actuellement j'en ai un peu beaucoup. Et je veux quand même un peu changer de bois parce que je vais en avoir besoin pour plus tard. Côté déco déjà. Mais parce qu'il y a des pommes, il y a ce genre de choses. Donc du coup, je peux faire plus de choses. Également. Oui, pourquoi je veux aussi des pousses d'arbres et des pommes, c'est pour faire du seed oil, je crois. Bon, un truc qui permet de fermenter, qui me permettra justement de remplir quelques tanks supplémentaires. Aussi, il y a autre chose qui est fait. Alors, il y a beaucoup avancé, on a beaucoup avancé avec Tortel et moi. Pourquoi j'ai mis un cube ici? Sur une partie entre lui et moi, lui il a avancé sa base, moi aussi, il m'a aidé pour faire quelques projets par-dessus. C'est notamment Applied. Avec Applied et Factorisation, on peut s'amuser à défragmenter ces disques, qui permet justement de pouvoir en libérer quelques-unes et de pouvoir en... comment en libérer, en occuper plus d'avantages sur un disque que sur l'autre. Ça permet d'avoir de la place. C'est comme votre PC de disque dur, hein. Vous défragmentez, il va plus vite et il bouffe moins de place. C'est pareil, sur Applied c'est vraiment pareil. Donc je termine juste un petit coup ça, voilà, je range un petit peu le bordel que les Undermen m'ont toujours fait. Même si j'en ai plus des bordels là, mais je m'occupe pas du tout de refaire les trucs parce que j'ai pas mal de boulot à droite et à gauche. Alors, les vaches j'ai toujours ça, les vaches me produisent toujours du fertiliseur, hein, grâce à des eaux usées qui produisent eux et de la mabuissance d'ailleurs. Je sais pas pourquoi de la mabuissance, mais bon c'est pas grave. Ça me permet justement de créer du compost, le fertiliseur. Donc qui me servira plus tard à faire ça si je veux mettre deux harvesters, voire trois, ça dépend. Voilà, ici, j'ai mon tank de mob essence que j'ai fait en iron, spécialement que en iron. Pas fait celui en steel parce que quand je l'ai fait, bah j'avais pas de steel, donc... Oh, ok. C'est très le bug graphique visuel. Voilà, c'est pas grave. Hein. Bon, moi, vous voyez... ça arrive là et ça arrive de là aussi. Hein. Et ce qu'il y a pour ma baissance, j'ai ceci. Donc c'est une mini tour à mob. Grâce à cette terre là qu'on a invoquée dernièrement ici, à l'intérieur de ça. Tiens d'ailleurs, je vais aller voir ça. J'ai fait sur deux étages. Et ça m'a permis de, justement de récolter pas mal de choses. Ah, comme là, j'ai récolté pas mal de choses. Bon ça je vais l'enlever hein. Mais grâce à cette terre là bah justement ça permet de faire spawner des mobs de jour comme de nuit. C'est juste que cette terre là ne doit pas être exposée à la lumière du jour sinon elle flambe. C'est le mode qui veut ça, c'est Tomcraft. Je crois que c'est Tomcraft qui fait cette terre là. Oh j'ai le trophée de l'araignée. Oh, c'est fun. Puis il y a des zombies quand même assez hardcore qui ont speed, régénération des fois aussi. C'est un peu bizarre. Toujours mes solar générateurs qui me permettent de garder mes grinders toujours en route. Je récupère du fer, l'under. Oui, il y a aussi des undermen qui spawnent. Projectile protection 4, Unbreak 3 et Last Stand 2. Oh, c'est sympa. Je ne sais pas ce que c'est, mais c'est très sympa. Ici j'ai quoi? L'under, la gun, ouais qui est pas mal, la bonne mine, là, oui, des os. Ouais c'est sympa. Bon alors je vais tout foutre ça dans mon underpush. Pourquoi je suis sur l'eau?
D'accord. Pourquoi? Elle contrôle, oui, bah j'y suis pourtant. D'accord. N'arrive pas à me stationner. Bon, c'est pas grave. Donc du coup, j'ai de la mob essence qui me permet justement de pouvoir enchanter mes pioches ou ce genre de choses à différents levels. Donc ça utilise de la mob essence et ça consomme plus ou moins de l'énergie. Et également l'auto-anvil qui permet de réparer deux pioches par exemple, ou une pioche et un diamant avec la mauvaise essence. Donc vu ce que je produis là, plus au-dessus, plus à côté, et oui j'ai mis une tête parce que je suis extrêmement riche, j'ai mis que deux grinders ici parce que je produis assez de wither squelettes à la seconde qui me permet justement de récolter des têtes de la bone mince du coal. Voilà. Donc ils vont tous crever quasiment à la seconde près, hein, donc... C'est juste les grinders qui travaillent, tac 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 tac, voilà. Donc ça travaille très bien. Under chest qui me permet de récupérer les loot, ainsi de suite. Ici avant c'était une petite ferme de compost que j'ai virée. Ensuite, faudrait que je... Tac. Alors ici, en dessous de ça, il y a des wither squelettes qui spawnent, hein, avec des soul shards. J'ai avancé Tomcraft, j'ai toujours des nodes dispersées un peu partout, mais j'ai nettement bien avancé. Tiens, ça je vais le virer. Voilà. Ouais, je devrais virer un peu ça. C'est quoi? Ouais, bah je verrai ça plus tard. J'en ai pas l'utilité pour l'instant. Ça aussi. Hop. Steve Card, j'en ai plus du tout l'utilité. Brinkstone non plus, faudrait que je le mette en test auto, tiens, voir avec Applied si ça fonctionne bien. J'ai changé ma porte, donc c'est des blocs de Twilight Forest, qui me permet justement de, quand on clique dessus, de faire disparaître le bloc, passer à travers, et les mobs peuvent pas vous voir, c'est ça qui est bien. Donc je peux le laisser complètement, j'ai toujours mon liquide XP, j'ai le Nether Star Generator, mais j'attends les blocs de Tomcraft qui me permettra de tuer le wither facilement avec un grinder ainsi de suite. Petite partie de Tomcraft, de Mistcraft aussi avec ceci plus ça, voilà, mage de Tomcraft que j'ai débloqué la recette d'ailleurs. Générateur d'underpearl avec la mob essence, ça me permet justement d'avoir des underpearl. Ici bah c'est des pics zombies. Je peux avoir des whips, alors les whips ça me sert surtout pour Tomcraft, donc je me suis fait un double coffre comme ça de Diamond Chest, Crystal Chest, et je peux avoir aussi encore Enderman. Donc là j'ai choisi pas Iron mais des zombies pigmen. Je vais voir ça, Shortness 3 et Unbreak c'est très sympa. Je vais voir si j'ai un autre cabinet par exemple. Oui j'en ai un autre, c'est très bien. Et ce que je cherche aussi, c'est un export, mais en fusil, qui me permet justement de gérer la durabilité des outils. Sinon, j'ai changé mon petit réseau Applied, donc j'ai mis ceci pour me la péter grave. Donc 325 têtes de Wither, 583 000 de Cobble, ainsi de suite, donc ça marque exactement ce qu'il faut. Bah, ce que j'ai en stock. C'était pas prévu que je paye. Mais bon, c'est pas grave. J'ai arrangé ici. Alors, une chose étonnante, ceux qui utilisent Applied avec Thermal Expansion, ce qui arrive, c'est que quand je génère plus assez d'énergie, j'ai ma résonante énergie, celle qui transfère de l'énergie. A l'inverse, si je produis trop, le ME contrôleur sert de passerelle entre Applied et l'autre Thermal Expansion, l'autre côté, ce qui me permet de stocker de l'énergie. Et ça, je ne savais pas. En clair, si je ne produis plus assez d'énergie derrière, j'aurai 50 millions de RF en plus, qui permet justement de charger un petit peu le CPU central, qui justement me permet de reprendre des items et de recrafter des Under Generator. Mes drives ici sont vides parce que pour l'instant j'ai envie de rien mettre d'autre, mais ça changera peut-être. Quitte à mettre des autres interfaces. J'ai viré mon CPU central ici. Hein. Pourquoi? Parce que quand on va déjà dans le trou,
si j'y arrive, voilà. Ici, j'ai mis d'obdites sorage. J'ai fait une ferme de champignons, de canne à sucre et de citrouille. Donc vous voyez, je produis déjà. Et j'ai Thunderpearl qui me permet justement de générer de l'énergie juste pour notre harvester qui me permet de récolter tout ça. C'est des crops, hein, c'est industriel. Donc une pousse de canne à sucre permet justement de récolter entre 1 et 8 cannes à sucre en un seul cube. Voilà. C'est un peu plus long, mais ça c'est un peu plus long, mais ça produit bien. Ça c'est juste un chaise de tampon qui permet justement de stocker tout dans Applied. Puis j'ai mis une 64K, donc je suis tranquille. Question place. Ici, j'ai mis mon CPU central. Voilà. J'ai mis mon CPU central, j'ai augmenté, c'est du 5x5x5. Ça coûtait cher en quartz, mais c'est très rentable par la suite. C'est un truc impair pour éviter un problème avec la pièce. J'ai augmenté mon générateur d'énergie pour tout le CPU et les machines qui se trouvent derrière. J'ai fait du style automatique, l'iron automatique. Ici, il y aura peut-être un système des rails. J'ai mon système de défragmentation, ce que vous en avez parlé au début, donc c'est Turtle qui l'a fait. Je ne vais pas vous expliquer comment c'est créé, comment ça se gère. Parce que c'est très chiant. Voilà, faut dire ce qui est, c'est très 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 chiant. En clair, c'est j'actionne le levier, le routeur prend toutes les disquettes qu'il y a derrière lui, importe ça dans le hopper, dans le import, avec un système de tampon, permet de trier tous les items et sont renvoyés dans avec Logistic Pipe et Applied dans mes drives là qui permet justement de pouvoir défragmenter. En clair, ça fait ça. Hop, on aspire toutes les disquettes. Voilà, on enlève la sécurité, ça va se vider dans une mémoire tampon, donc il y aura un drive qui va se mettre dedans, et avec ce drive là, ça va se remplir, ça va trier tous les items, ça va aller dans les deep storage si on a besoin, dans les crafts qu'il y en a en cours, et ainsi de suite. Voilà, là il y a deux cartes qui se mettent, et là ils sont en train de se remplir, se vider mutuellement, pour permettre justement de gagner de la place avec tout ça. Peut-être le lapis, je devrais le mettre dans un deep. Mais j'en ai pas l'utilité pour l'instant. Donc là, c'est en train de travailler, c'est en train de vider toutes les disquettes petit à petit dans le réseau. Une fois que c'est vidé, ça part à côté, mais c'est aussitôt aspiré par un hopper qui se trouve en dessous. Voilà, qui est renvoyé dans le système pour avoir des disquettes supplémentaires. Et une fois que ça c'est fait, tout ça se vide. Et voilà, ça fait des grosses particules de partout, ça veut dire que tous les items se transfèrent vers les disquettes, vers les deep storage s'il y en a besoin, et ainsi de suite, et ça va extrêmement vite. Voilà, toute la redstone qui part. La redstone, je vais la mettre dans un deep storage. Ce qui est bien, c'est que avec un deep storage, quand vous mettez un import bus et avec un storage bus, une priorité très élevée, ça me permet justement de pouvoir, oh la vache, j'en ai beaucoup, de pouvoir avec une défragmentation d'envoyer toute la redstone par exemple dans le deep storage en priorité avant de stocker dans les disquettes. Voilà. Et puis comme ça le PC là il est défragmenté, il est pleinement opérationnel, les crafts peuvent continuer. Voilà, ça c'est la première partie. La seconde, maintenant, j'ai fait tout mon réseau, j'ai reconfiguré tout mon réseau de Applied Energistic et Thermal Expansion. Pour tous les minerais. Tous les minerais qui arrivent sont pulvérisés, cuits, renvoyés dans les deep storage ou les disquettes à leur service. Et en même temps, ils permettent aussi de faire des crafts parce que je leur demande des crafts. Voilà. Donc j'ai tout bien configuré petit à petit. Ici, pour pulvériser justement quelques process, là pour l'instant j'ai mis que ça. Là c'est la cuisson de nourriture, patates, steak et porc. Là, c'est mon petit réseau de défragmentation privé, on va dire ça. Ici, tout mon réseau Industrial Craft, que j'ai complètement refait, avec des fibres, des générateurs, des ME interface pour chacun. Il y a encore des emplacements vides, parce que je vais mettre d'autres machines.
notamment une autre Wire 1000 que je vais mettre là. J'ai fait 3 compresseurs, un pour le gold et l'iron, un pour les carbone, les advanced alloy, d'ailleurs que je vais m'empresser de mettre ici. Je veux que ça produise bien entre les deux. Et un pour le bloc de la piste et 2 redstone. Ça, voilà. Ma plate, hein, naturellement. L'induction smelter que j'ai mis complètement à distant aux autres. Parce qu'ils sont en alimentation constante et je voulais qu'ils leur aient un stockage à eux-mêmes. Avec des bad box et un autre circuit qui part l'autre côté. Générateur, j'en ai mis 7, voilà, 7 qui alimentent une MFE, qui alimentent un MV transfo, un LV transfo, qui est envoyé sur toutes les bad box. Comme ça, tout le monde a son énergie. Voilà. Et j'ai toujours des accès terminaux un peu partout. Je mettrai des façades plus tard, juste après, mais pas maintenant. Mon blast furnace que j'ai mis en import, quand ça veut dire quand j'ai du style là, il est aussitôt exporté vers tout le réseau. Voilà. J'ai mon coke oven qui permet de créer de la chrysole et avec du coal. Ça fait du coal coke que ensuite je mets là-dedans. Voilà, j'ai mon réseau aussi thermal qui permet justement de gérer le fluide de redstone et le fluide d'underpearl. Voilà, tout ça c'est sous réseau. Ici c'est la mini salle d'énergie 80 fois je ne sais plus combien, 5, 10, 15, 15 énergies, ça fait 800, ça fait 1200 RF par tick qui sont envoyés dans des directs énergie, envoyés complètement. Ici j'ai un lava fabricator qui me permet de créer de l'obsidienne. Bon, quand j'en ai besoin, bah pouf, je l'envoie dans le système. Voilà, mon réseau de bullcraft qui me permet justement de faire des circuits. Voilà. Des gates. Même si les gates j'en ai plus pas besoin là, parce que j'en ai suffisamment. Donc pour ça je vais les terminer. Tous mes générateurs ici qui me permettent justement de gérer... mon réseau industriel GregTech, complètement industriel. Je me suis fait mes premiers panneaux, mon premier panneau, hybride solar panel, ainsi que mon modular transformer qui permet justement de faire mes petits panneaux, ou de la gunpowder si j'en ai besoin, ou ce genre de choses. Voilà. L'industrial blast furnace qui me permet justement de créer mon style plus rapidement avec l'énergie, mon stainless qui me permettait de faire la lava range, et du silicon cell pour faire les panneaux. Et ici, ça me permet de faire du silicon dust ou du carbon dust. Alors, je vais voir si il me reste ça, mais normalement, oui, diamond dust. Voilà, j'en ai un. Ceci me permet justement de créer en 40 ou 80 secondes deux stacks de carbon plate qui me permettront de faire des carbon plates compressés plus tard. Je me suis fait des panneaux qui me permettent justement de surveiller la consommation énergétique, le stock énergétique. De chaque cube, il y a une MFE en dessous, ici aussi, ouais, ça utilise, donc on le voit travailler. Ici j'ai pas mis en craft auto encore, mais ça va pas tarder. Donc tous mes générateurs sont avec du charcoal en craft auto. Dès que ça demande du craft, pouf, ça envoie du rubber wood dans ce induction furnace et ça convertit du coal. Du rubber en charcoal, voilà, et c'est renvoyé dans le... Moi ce que je vais faire là, c'est de remettre un cabinet, tac, ouais, ça fait un peu bizarre de dire je vais remettre un cabinet, pouf, je le mets là, ok, en stack de préférence, ici aussi c'est un fusil, et je vais mettre des sharpness, voilà, ça veut dire que toutes les épées qui se trouvent dans le réseau, toutes les swords qui vont looter les mobs qui sont là-bas vont aller directement là-bas et c'est un stock illimité. Voilà. D'un seul item, mais c'est un stock illimité. Donc par la suite, ça me permettra de créer de l'or. Voilà. Bon, bah je vais voir un petit coup dans l'épisode où est-ce que j'en suis et puis on se retrouve juste tout de suite si j'ai pas le temps. Et donc oui, il me reste une petite dizaine de minutes, mais je n'ai quasiment rien d'autre à vous dire pour l'instant. Ah si, peut-être, tiens, allez voir dans les mondes supplémentaires, je me transforme juste.
Alors, on va aller. L'âge 21, l'âge 21. Non, c'est dense que je veux. Oh là, et doucement. Ok. Mais pourquoi j'ai. What? D'accord, on dirait que le système il veut plus fonctionner. Bon, c'est pas grave. J'ai mis des nouvelles queries. Je vais tout aspirer. D'accord. Silver, gravel, furious. Ok, il m'a aspiré tout. Ok, c'est pas grave. C'était possible hein, parce que j'ai eu pas mal de problèmes avec Apparel, donc du coup les Underchests ont volé en éclats. Oula. Et voilà, les quarries, c'est ça sert à ça pour faire. C'est dans le monde là qu'on crée nos quarries. Ça permet justement de. Ouah, ici aussi. Ah, j'ai pas vidé l'eau ici. Ah, c'est possible. Puis voilà, je me suis amusé à faire des quarries. On va aller un petit coup dans l'eau. Et je vois plus rien. Mais. Ah, oui, d'accord. L'eau, ça marche. D'accord, et vous voyez, j'ai cette zone verte là, c'est de la mauvaise. Comment on appelle ça? Du poison, voilà. Et ici, je suis dans une eau régénération. Voilà. Donc, c'est Biomoplenty qui permet de générer cette eau là. Ainsi que l'autre eau. Du silver, factorisation, donc c'est du Dark Iron. On a besoin. L'eau toujours aussi bizarre. Ouais. On n'est pas l'UTT. Oh, j'ai failli rentrer dedans, tiens. Voilà. Donc voilà, on s'amuse à faire des trous. Bah, je m'amuse principalement à faire des trous moi-même. Et c'est super beau, le ciel se couche. Quand il se couche, c'est la très belle lumière verte. Voilà. Je déplacerai ça plus tard, j'en ai pas l'utilité pour l'instant. Malgré que je pourrais toujours le faire, mais je ferai ça plus tard. Hop, ça ici c'est fait, et maintenant je chez Turtle. Voilà. Il s'est créé un monde, il s'est fait différents pousses d'arbres. Oh tiens, c'est très joli d'ailleurs, parlant de ça. C'est très beau. Qu'est-ce qu'il a fait? Ah, vacuum. Ah, oh, c'est pas con. Par contre. Ouais. Ça aspire ce qu'il faut pas en fait. Bon, c'est pas grave. C'est pas très grave. Moi, je m'en fous. Je peux. Voilà. Donc, vous voyez, il s'est fait aussi une petite Tora Mob. J'ai copié sur lui. Sauf que lui, il produit nettement plus. Mais son tank est complètement plein. Et ses grinders sont complètement full. Ils sont même en surproduction. Il s'est fait plusieurs générateurs d'Underpearl. Il s'est fait des trucs à Blaze. D'ailleurs, il faudrait que je remette le mien parce que j'en ai plus. Et si, c'était un truc à Whips. Voilà. Puis il y a des Creepers, Gunboder et autres. Sa farm de comment d'Underpearl pour produire de l'énergie en très grande quantité, et encore il en prévoit d'en mettre une troisième, voilà. Et grâce aux évaluateurs, pouf, voilà, on arrive au réseau en dessous. Donc chez lui aussi, là c'est tout son réseau applied avec le système de défragmentation deep storage. Donc voilà, ça c'est quoi, four, d'accord, ça va dans les fours. Ah oui, d'accord, c'est son système derrière. Et pulvérisé, d'accord. Tu mets tous les blocs que tu veux là-dedans, ça se pulvérise. Ça envoie directement via système Wi-Fi, donc d'où les routeurs. Tac, 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 tac. Et ça les fait cuire automatiquement juste après. Et en dessous, normalement, c'est le système d'alimentation générale qui est pour tout applied. Voilà. Voilà. Bon, bah c'était sympa. Ici, ça fait petit système Tomcraft. Hein. Je pense qu'il va faire du Tomcraft, mais côté déco. Voilà. On retourne dans notre monde. Ah, c'est vrai que ça amène là le livre. Et puis, me revoilà chez moi. Voilà. Bon, sur ce, moi, messieurs, je vais vous laisser.
Moi, il est l'heure d'aller manger, et puis, puis voilà. Puis j'espère que ça vous aura plu, hein, donc n'hésitez pas à liker, commenter, et puis amusez-vous. Allez, sur ce, je vais vous laisser. Bye bye tout le monde. Ouais, c'est beau.